bien bonjour à vous, fidèles auditeurs de Parents Créatrices en Pro-Télévision. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien et c'est toujours avec les sourires que je vous retrouve dans le cadre de votre micro-programme. À vous le micro. Alors, convoqué il y a de cela plusieurs semaines, la convention des jours sur le thème du mariage s'est finalement tenue au sanctuaire de l'amour divin à Douala du 13 au 15 août 2021. Lors de l'édition précédente, vous avez certaines attentes. Cette convention, chers amis auditeurs, a-t-elle répondu à vos attentes? Avez-vous trouvé les réponses à vos nombreuses questions? Célibat frère, célibat sœur, entre parenthèses, vous savez que vos avis sont super importants, alors c'est à vous le micro. Cette presse spirituelle et vraiment ça tombe vraiment à pic parce que les jeunes rencontrent vraiment ce problème là de choix de l'époux et aussi dans les fréquentations comment réagir, comment se comporter avec son fiancé et tout avec son fréquenté, je voulais dire. Donc cette retraite tombe vraiment à pic. Elle tombe vraiment à pic dans le choix de son conjoint. Parce que le choix de son conjoint détermine vraiment où tu vas vraiment, si tu vas passer l'enfer sur terre ou si tu seras bien. Donc dans le choix de l'époux, il faut vraiment que vous vous aimez. Il faut qu'il y ait l'amour, l'entente, le dialogue, que vraiment tout soit basé sur la parole. Comme le pasteur disait, si tu n'es pas rempli de l'esprit, du Saint-Esprit, tu ne peux pas épouser une sœur, une fille qui vient du monde. Parce qu'il faut que la profondeur appelle la profondeur. Donc cette convention est tombée vraiment à pic pour nous les jeunes. Vraiment, nous remercions vraiment le pasteur et nous le bénissons. Oui, j'ai vraiment trouvé cette convention des jeunes très très importante et mes attentes ont été satisfaites. Nous avons vu la démonstration du Saint-Esprit par son serviteur, le prophète Samuel Baroya, qui, par inspiration du Seigneur, nous a vraiment édifiés sur le mariage. Comment aborder, nous avons vu par exemple comment aborder une fréquentation et quelles sont les attentes du mariage. Nous avons vu les quatre étapes du mariage et vraiment, nous qui ne connaissons pas grand chose à ce sujet, surtout sur l'étape de la fréquentation, le Seigneur Jésus-Christ, par les coups de la bande, et le choix d'une épouse, nous a dit toujours de prier. C'est la chose essentielle. Et nos encadreurs et certains et différents pasteurs qui ont intervenu ont insisté sur la prière. Vraiment, j'ai reconnu que j'avais des lacunes et je crois que le Seigneur, dans sa grâce, nous a déjà tout donné, nous a déjà béni. Merci. Par rapport à la retraite des jeunes, je suis arrivée, ça s'est très bien passé par la grâce de Dieu. Je crois que par la grâce de Dieu, tout ce que je voulais va s'accomplir dans ma vie. Parce que quand la bouche du prophète a déjà parlé, on croit que ça va seulement s'accomplir. Et je suis vraiment satisfaite, j'étais fière de retrouver mes amis, mes frères, on a communié ensemble. Bon, apparemment, ce que j'ai constaté à propos de cette convention, c'est que ça m'a beaucoup appris concernant l'histoire du mariage. Parce que nous qui étions d'abord dans le monde, on a tellement souffert en matière de femmes. Et on n'a pas eu les gens qui pouvaient nous guider par rapport à ça. Donc c'est pour cette raison que dans cette convention, c'est ma première fois d'assister dans cette convention. Et ça m'a tellement appris beaucoup de choses. Ça permettrait que dans les jours, dans les mois et dans les années à venir, selon comment je peux me tenir. Déjà, je vais commencer par rendre grâce au Seigneur parce que c'est grâce à lui, à sa bonté divine, il a permis que cette convention puisse avoir lieu. Nous allons également remercier notre pasteur
passant en fait à quelque sorte, je crois que Dieu a entendu le cri de son peuple, Dieu a entendu le cri de ses enfants qui souffriraient après le mariage et il a mis à cœur à son serviteur d'organiser cette convention. Et je crois réellement qu'au sorti de cette convention, nous avons richement été bénis et que chacun de nous, d'ici peu, nous allons avoir une pluie de mariages en fait. Nous allons avoir de nombreux mariages, coulons pour la peau et nous ne pouvons que dire merci Seigneur. Moi personnellement, je suis très content. Non seulement je vais dire j'ai reçu ma délivrance et j'ai reçu également mon mariage. Je peux dire merci Seigneur. Vraiment, si je tenais à dire quelque chose de la convention, je suis reconnaissant au Seigneur Jésus-Christ qui a permis que cette convention soit. Ça m'a libéré dans mon esprit. Je me posais trop de questions concernant le dossier, surtout du mariage. Ayant participé à ce séminaire, à cette convention, j'ai la conviction que le Seigneur m'a répondu à toutes mes questions que je lui posais dans mon esprit, dans ma pensée. Et certaines questions aussi que certains frères et sœurs ont posées ont répondu à mes attentes. Même comme je n'ai pas pu, je n'ai pas posé cette question, mais parce qu'elles ont posé, j'ai eu la réponse aussi venant dans ce sens-là. Et aussi, j'ai été vraiment rempli encore et je me suis senti encore davantage encouragé à aller de l'avant avec le Seigneur Jésus. Merci. Merci de nous avoir suivis, mais surtout de rester fidèles au programme de Parole Créatrice en Info Télévision. Dans l'attente des fiançailles qui vont suivre dans les jours à venir, on se dit à très bientôt pour une nouvelle édition de votre micro-programme à vous le micro. C'était Muriel. Bye bye.